Pire, mon ennemi numéro un, c'est les femmes. Mais oui! Mais le pire, c'est vraiment derrière quand il dit Rafa Grosch et tout. Il découvre. Voilà, il se découvre. Quelle C'était beaucoup trop drôle, le clip il est incroyable. dinguerie. Allez, on est parti. JV, qui est là, bien sûr, en winner semi, parce que JV, notre ami, et il a complètement massacré tout sur son passage. Il a gagné Asano, il a gagné Sir Knight et tout. Et il est là contre Gluddy maintenant sur destination finale. Alors, destination finale extrêmement bonne map de Min Min. Ceci dit, bah, notre ami JV, il a prouvé que peu importe les maps, il avait tendance à être là. Et pour l'instant, c'est lui qui garde le lead sur cette game. Bon, 30% de lead, hein, voilà, ça se rattrape en deux bras côté Min Min. Mais voilà, il va falloir, côté Gluddy, être vigilant parce que le bon JV, il n'est pas là. Il n'est pas là pour perdre tout simplement, il est là pour représenter la petite NFO de la meilleure manière possible. Et malheureusement pour l'instant il subit le ledge trap hein, de notre ami Min Min. Aïe 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 aïe, le mégawatt extrêmement fort, beaucoup de frame active qui va couvrir les neutral get up. C'est très dangereux les neutral get up contre Min Min quand il y a du mégawatt dans le coin. Et du coup bah, la stock est concédée. Même si après à côté de ça, bon voilà, Luigi, il suffit d'un fast fall un peu trop gros et la NFO recolle au score finalement. Dommage quand même parce que j'avais bien entamé sa game. On a vu tout à l'heure hein, que l'avantage de JV pouvait être absolument monstrueux. Hein, donc, faire très attention à ça, essayer de profiter de pouvoir jouer à distance avec Min Min pour éviter ses boules. Et pour l'instant, ça reste compliqué. Hein. Bah ouais, clairement, là, Gluji, il peut s'en vouloir hein, de cette SD, parce que, du coup, notre ami JV a repris un petit lead. Attention à ce Down Throw Up B en l'air, hein, qui est une marque de fabrique, hein, côté Gluji. On a tendance à l'utiliser très... Oh non, malheureusement! La DI était un peu suspicieuse, ou je pense que la DI était terminée, mais je pense que JV ne s'attendait pas à être si proche de la base zone, peut-être. En tout cas, c'est clairement une SD, hein, côté JV. Oh, on a quand même trouvé ce Bob Toy en Edge Guard. 40% de différence, mais là, des deux côtés, il y a de quoi avoir des regrets, là. Hein. Du coup, c'est compliqué. Attention à cette Edge Guard qui aurait pu être dévastateur si le Bob Toy avait touché, mais finalement, ça n'a pas touché. On était un peu trop bas côté JV. C'était bien tenté, ce B. Mais d'accord. Ouais, il se passe des dingueries hein, dans ce match. Hein. Attention, JV hein, qui prend toujours le lead. Hein. Qui garde toujours un petit lead, attention quand même. Hein. Il profite de sa super armure avec le Down B, tout ça. Il lui dit qu'il va devoir être vigilant. C'est très even là. Oh. Ah. Un mégawatt assez Chacun sa réaction face au mégawatt. Il y en a un qui dit ah, l'autre qui dit oh, attention à ce backer parce que notre ami JV il est clairement pas mort, le nerf qui n'a pas réussi à catch ce taser. C'est pas passé loin encore une fois. Ouh là là là, très bien vu ce notre BA qui aurait profité d'une super armure et tout, le Ptoui qui est menaçant, la drôle qui va pas se faire grab. Pepe qui passe par et tout, c'est super serré, c'est très tendax là dans cette game. C'est très très tendax, attention. Notre ami JV, notre ami Luigi qui est dans son ledge trap avec le Megawatt et le Dragon qui va aller chercher la strangulature. JV, Luigi, qu'est-ce que je raconte, putain. Luigi qui va aller chercher de cette première game, c'était ultra serré, il y a eu des SD un petit peu des deux côtés, c'est très dommage. Mais c'était vraiment serré. Et il prend la stock comme il l'avait prise contre Chesco tout à l'heure, finalement. Mais ça s'est joué à rien en réalité. Hein. S'en est fallu de peu pour que Gluigi l'emporte ici dans cette confrontation face à JV. Voyons voir Complètement, sur ouais. quelle map on va essayer de counterpick cette Min-Min. C'est clair parce que destination finale, j'ai quand même quelques doutes sur le fait que ça soit un choix intéressant pour une plante piranha contre une mine-mine. Ceci dit, je ne suis pas un expert de plantes, donc potentiellement il y a de quoi aller. Voilà, potentiellement je parle sans savoir. Hein, ça se trouve, c'est une extrêmement bonne map de plantes. Après, voilà, ce que je sais, c'est que c'est vraiment une des meilleures maps ever de mine-mine, donc c'est un peu dommage. On part sur une nouvelle game, 1-0 pour lui, on est toujours en BO3, je vous rappelle, puisqu'il n'y a que les finales en BO5. Oui. Gluigi, JV
On est parti sur Small Battlefield. Alors, que je t'annonce en tout cas que notre cher Dracian est passé top 8 après avoir vaincu du coup Asano. Ah, bien vu de la part de Dracian, et qui en plus de ça a eu une petite win sur Blacktar avant ça. Donc vraiment bien joué de la part de Dracian qui va aller chercher ce top 8 côté Loserside. Côté Gluji et JV, on joue une autre sorte de top, puisqu'on joue le top 3, mesdames et messieurs. Et pour l'instant, Gluji, il garde un avantage positionnel, il garde une avance solide. Il va falloir quand même concrétiser cette stock hein, si on veut prendre une avance confortable. En tout cas, on respecte les options de la plante et pas le mégawatt, c'est le dragon qui est allé prendre ses stocks 68% seulement, 82 maintenant. Il y a de quoi aller chercher une win sympathique côté lui si on continue à garder cette avance, mon bon Jochen. Écoute, oui, là ça me surprend quand même que l'attaque de Guiji a pu outrepasser l'invincibilité du Danbe côté plante. Mais effectivement, là, une belle avance et puis peut-être qu'on va avoir des difficultés à revenir. Côté JV, on sait aussi que Guiji adore ses phases d'avantage. Hein, et puis voilà, un mégawatt encore une fois qui passe et on est déjà sur la dernière stock, peut-être la dernière stock de cette confrontation entre JV et Guiji. Aïe 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 ouais, là ça fait mal, ça fait très très mal ce mégawatt qui a touché les 100% des drop ledge des drop ledge neutral B de JV se sont très 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 mal passés. Du coup c'est bien dommage de la part de JV, il a malheureusement peut-être eu un peu de mal à s'en rendre compte, ou peut-être qu'il a eu confiance dans le mix-up. Et du coup bah ça n'a jamais marché face au bras de Min Min, il s'est fait oblitérer les stocks en règle générale. Du coup là Gludig est en train de dérouler son jeu. Côté JV, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'en sortir. Finalement, ça se passe pire que sur des sessions finales. Alors, est-ce que c'est Gludy qui s'adapte? Est-ce que c'est la map qui joue? Je ne sais pas. En tout cas, le Ptouille va permettre à JV de sauver l'honneur, de ne pas se faire 3 stocks. Malheureusement, est-ce que ça va suffire? Bon, je chaîne. Est-ce que Gludy va finalement réussir à aller chercher la winner finale là-dessus? Ben écoute, pour l'instant il est en bonne posture, faut essayer de concrétiser cette avance qui a été cherchée parce que là JV va commencer à reprendre confiance en grattant un petit peu et puis plante ça gratte bien, on l'a vu tout à l'heure contre Turnite. Ça Ça peut fait peur. basculer à tout moment. Hein. Exactement, JV qui fait de plus en plus peur parce que Luigi a du mal à le toucher, ou en tout cas s'il le touche, c'est qu'avec des moves pas très impressionnants. Et du coup, pendant ce temps, JV lui, il gratte, hein, il gagne le neutral, il gratte, il gratte, il gratte, il revient, il recolle au score avec ce Don B par exemple, qui va lui permettre de garder un petit avantage positionnel, le Ptouille qui permet de stall, d'esquiver des bras. C'est pas encore gagné, hein, côté Gluigi qui va être amené sur sa last stock alors qu'il avait 2 stocks d'avance. Vraiment, on peut trouver un bras, ceci dit à 137% qui va trouver la stock, surtout sur ce B commit, non? Mais vraiment, voilà, on n'est pas à l'abri d'un comeback de JV là-dessus. Oh putain, encore la dash attack. Attention à cette dash gloire. Le neutre à l'air. Il n'y a plus de chance. C'est fini. Oh, c'est C'est fini, terrible. JV. C'est JV qui est allé terrible. chercher. Qui est allé chercher un petit peu. Finalement, on se combat, madame de la bien sûr. Je deviens fou. Je deviens fou. Oh là 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 là. JV qui est là. JV qui dans sa tête s'est dit, putain, mais c'est la NFO, les gars, que je représente là, en fait. Là, c'est pas JV que je représente. T'as vu, là, le reverse 3 stack, il faut le faire. Le reverse 3 stock, il faut le faire, et il le fait, mon gars! 47% c'est dans un stock, Gluigi la perd, bien vu! Bien vu le neutral air, beaucoup de frame active, hein. C'est fort contre les tasers, les frame active, donc forcément ça va fonctionner si c'est bien placé. Et clairement, on l'a vu, il s'est précipité sur les stocks d'avant, là il s'est concentré et c'est passé. Et du coup, Gluigi, bah, il y a de quoi avoir un petit sub quand même. Un petit sub, on va pas se mentir, il y a un petit sub. Il y a un petit sub comme le Gluigi, on connaît son mental. Il y a un petit sub, il y a un petit sub. 1-1, c'est quand même pas fini. J'espère qu'il va réussir à se refocus, à essayer d'éviter de penser à la game 2 hein, qui est un véritable comeback millimétré de la part de JV. J'espère que Luigi va se focus totalement sur sa game 3, évitant que les tomes de la game 2 reviennent. On va voir sur quelle map ça va jouer.
Côté loser, on a Louis Moni. Hein, qui... Ouh, on sort un Metanite. Incroyable, on a plus confiance en la plante côté JV. Ah, c'est vrai que le comeback était quand même solide, hein, donc peut-être qu'on a peur de la min-min. Côté loser, j'en profite juste pour dire que Louis Moni a gagné 2-0 contre T2, malgré le match-up difficile Ryu contre Ness. Très bien vu de sa part, T2, qu'on attendait peut-être un peu plus loin que ça, mais bon, on s'en fout. Hein. T2, à la limite, s'il fait top 8. Seulement à l'invitationnal, mais qui prend 12 stocks par CB. Le taf sera fait dans la Super Smash Wars, c'est ça l'important, donc peu importe le résultat de ce tournoi d'Open Bracket, les CB, ça sera une autre histoire. On est sur un Meta Knight contre une Min-Min. On va voir côté JV, est-ce que le Meta Knight va faire le taf? En tout cas, pour l'instant, il y a de quoi aller choper des Edgeguards, donc il va falloir être très vigilant côté... Oh, côté Glui et le neutral B, regarde, Joshen a totalement clank avec les bras et a pu punir les bras derrière. C'est très intéressant ça dans le match-up. Peut-être que JV ne se sentait pas assez à l'aise hein, avec sa plante, et là il nous montre un Meta Knight qui gère bien ce match, même si là encore une fois on vient de prendre la stock sur la recovery du Meta Knight côté Gluigi, donc on se retrouve en avantage à voir si ça va durer. C'est le B qui va tuer, mesdames et Va messieurs, tuer. 36% seulement de gratté. C'est clairement pas énormissime, hein, 36%, surtout avec un Meta qui peut potentiellement trouver un petit combo à une quarantaine de pourcents large, ou tout simplement qui peut prendre des stocks en Edgeguard assez tôt, hein, comme on a pu le faire avec la plante tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, Luigi a Oh, et continué de encore une fois! gratouiller. On va encore une fois trouver effectivement un bras au ledge. Et là, Luigi, une stock totale d'avance. J'y vais, est-ce qu'il y aurait. Est-ce que j'y vais encore. Aura des regrets vis-à-vis de son choix de perso, d'après toi, mon bon Joshen. Ah, peut-être qu'effectivement, Gluigi a peut-être une meilleure expérience face à Meta Knight. Hein. On se rappelle des confrontations jadis avec Black Tar. Quoique ici, on a réussi à prendre la stock très vite. Finalement, 40% d'avance pour Gluigi. Et l'écart qui se resserre finalement un petit peu comme dans la Game 2, où JV avait réussi le comeback. Alors est-ce qu'ici, il réussira? C'est compliqué, encore une fois, le ledge trap qui va être dangereux et on s'est fait avoir, malheureusement, Luigi qui est resté à 0% sur sa dernière stock. Alors je pense que le match-up est plus intéressant avec Metalite qu'avec la plante, bien sûr. Malheureusement, le bon JV, bah, il a été plus efficace avec sa plante que Metalite. C'est dommage, mais on peut pas lui jeter la pierre d'avoir tenté les choses. Ça peut être super intéressant. En vrai, il a pris des informations. Est-ce que la plante ou le Metalite marche mieux?